Mais tu ne dors jamais, toi. Hein? Y'a un tunnel? Quoi? Hein? Non, même sur la route du travail, je te vois farm. Ouais. Les devs, ils ont travaillé fort sur le serveur cette nuit. Très fort. Ils ont changé quelques trucs. Et il y a encore du changement à venir, là, apparemment. Mais bon, on verra bien. Ouais, ils ont réduit la vitesse de farm de là où je suis, là. Par exemple. Mais c'est pas par rapport à moi qu'ils l'ont réduit. C'est par rapport au fait que personne venait farmer ici, tu vois. Du coup, ça va attirer un peu plus de monde sur les points d'orpaillage, tu vois. Regarde, regarde, la barre, elle speed comme pas possible. Ils l'ont diminué quasiment de la moitié. Du coup, vous allez avoir un peu plus d'action sur les points de farm. Mais il n'y a pas que ça, ils ont fait d'autres choses, mais j'ai pas tout vu. J'avais pas eu le temps. Et ils ont commencé à retravailler des emotes aussi. Non, la chasse, j'ai pas essayé. La chasse, faut demander à la chasse pour ça. J'ai pas le permis de chasse. J'ai que le PPA et un flingue de merde que j'ai posé dans mon coffre. Yes, bah quand j'aurai fini mes achats, je viendrai. C'est déjà prévu, ça, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, j'ai pas un MK2, j'ai un SMS normal. Mais j'ai laissé dans le coffre, il sert à rien. C'est vraiment un flingue de merde. Après, les goûts et les couleurs, tu sais. Puis, de toute façon, je n'ai pas besoin dans mon RP, tu vois. Au début j'avais passé mon PPA parce que j'avais peur qu'il y ait des cougars ou quoi qui pop autour de moi, tu vois. Mais au final il n'y en a pas un seul qui pop, donc Hello Moonshine. Oh putain, ton prénom il me rappelle un serveur sur lequel j'ai été. Il y a longtemps de ça, putain. C'était le serveur, il s'appelait Moonlight. Moi ça va, hein. Et toi? T'inquiète pas, Parker, je vais m'acheter une AK-47. Je te montrerai comment on fait la chasse avec une AK-47. Je rigole, hein. Ah, putain. Tu sais, rigole, il y a un serveur où j'avais un RP de mafieux. J'étais équipé, bombe collante, AK-47, cocktail Molotov, Deagle, Uzi. On était équipé, armé jusqu'aux dents. On était des vendeurs d'armes de la ville en fait. On était des vendeurs d'armes de la ville et on se servait d'un groupe pour avoir le monopole sur la route de l'opium. Mais bien sûr, mais les bombes collantes en RP, on n'avait pas le droit de tuer les joueurs avec. On n'avait pas le droit. On avait le droit de s'en servir pour faire des scènes où tu fais exploser un véhicule, pour faire peur à quelqu'un, des trucs comme ça, tu vois. Mais on avait interdiction de faire des dégâts sur un joueur. Tu faisais des dégâts sur un joueur avec une bombe collante, tu prenais un ban instantanément. C'était un serveur, c'était du RP hardcore. Du vrai RP, quoi. Heureusement qu'on n'avait pas le droit de tuer des joueurs avec ça.
La seule occasion dans laquelle tu pouvais tuer un joueur avec une bombe collante, c'est pour une barre RP. Mort derrière. Heureusement, putain. Les cocktails Molotov, c'était pareil. Cocktail Molotov, on avait interdiction de les utiliser sur les joueurs. Tu pouvais t'en servir pour des scènes, pour faire brûler des endroits ou quoi, tu vois. Mais c'était un serveur qui était très relax au niveau de ce genre de choses. Parce que c'était très, enfin, RP hardcore. Je pêche à la grenade. Ouais, non. Il n'y avait pas de grenades sur le serveur. Et les bombes collantes, il n'y avait que nous qui les avions en fait. On avait une espèce de groupe mafieux. C'était pas une mafia parce qu'on n'était pas italien. On était une orga, mais c'est une mafia quoi, tu vois. Et on était vendeurs d'armes et les bombes collantes, on les vendait pas en fait, c'était à nous, tu vois. S'il y en a qui avaient besoin, et ben, selon si c'était possible, ben, on allait les utiliser pour eux, tu vois. Dosi le fait, ça la pêche à la grenade. Ah bon? Enfin quoi? Attends, mais la grenade, c'est toi en fait. C'est pas une vraie grenade. Il a jeté Parker à l'eau. Parker, il a lâché un vieux P dans l'eau. C'est bon, tous les poissons sont remontés. C'est pas ça dans l'histoire? Sur les 1h20 de discussion surprise. Il me disait qu'il en avait fait. Putain. Après, de toute façon, vu le nombre de personnes qui sont parties du serveur là, suite au wipe qu'il y a eu hier soir, c'est sûr qu'on va avoir un coup de mou sur le serveur, mais ça va, tu vois. C'est pas even quoi, comme d'hab. Ça part, ça revient. Ça s'en va et ça revient. Et le dev, pour le coup, hier soir aussi, t'es en train de bosser sur les emotes de sol. C'est quand tu vas sur place et que ton perso il balance ses bras là. Et ben en gros, le dev il va faire en sorte que le perso ne bouge plus comme ça là. Tu vois ça là, quand il fait ça comme ça là. Bah dans quelques jours en gros on va plus l'avoir ça. On aura enfin un personnage qui n'est pas débile. Ça va être cool ça. Sans nouveau groupe. Sans nouveau groupe là c'est. Mais il y a des groupes hein. C'est comme sur tous les serveurs, hein. Quand t'as un groupe qui wipe, bah forcément il n'y a plus de groupe à la place, hein. Faut attendre qu'il y en ait un autre qui prenne la place. Et puis vous les shérifs, ça vous laisse le temps de recruter du monde, tu vois. Parce que vous n'êtes pas nombreux, hein, putain. Le pire c'est que les shérifs sont pas nombreux, mais ils sont plus actifs que les LSPD. Ça me fume. Alors que les LSPD sont quand même nombreux, mais ils sont jamais là tous en même temps. Il y a un délire, tu vois. Il y a un délire. Après c'est comme ça, c'est la vie. En termes de débilité, il y aura Parker pour rattraper le niveau de connerie. Ah putain. Et tu sais que ton keuf, mec, c'est une pépite. Hein. Faut surtout pas qu'il prenne du grade. Hein. C'est très bien comme t'es. Vraiment, c'est juste génial.
Et puis ton pote, oh, hier soir, partout où j'allais, j'arrêtais pas de tomber sur lui. Au bout d'un moment, j'arrive à une station essence pour mettre le plein. Je vois qui? Je vois Toby. Du coup, je m'arrête derrière lui, je mets mon plein et je dis rien, tu vois. Et là, maman, il fait ah putain, la sienne, faut arrêter de me suivre. Hein. Je commence à faire une enquête sur toi. Il monte dans sa caisse et il se tire. Je reviens au Belize, je vois qui, Toby? Oh putain, incroyable. Et après, du coup, il t'a appelé. Ah, incroyable. J'ai dû tomber sur lui au moins genre 6 ou 7 fois. Ouais, 6 ou 7 fois d'affilée. En une soirée. Il a dû péter un câble. Il a dû se dire, mais putain, je suis suivi. J'ai pas envie de me RP. Ah putain. Le pauvre Tommy, quoi. Et pour le coup, Tommy, c'est pareil. Il a un RP qui est cool, lui. Il est comme Parker. Je sais pas ce que t'en penses, toi. T'es là ou quoi? T'en penses quoi de Tommy et de Parker? Ah, mais Tommy aussi, il est cool là-haut. Ouais, est-ce que tu l'as moins fréquenté, mais c'est les deux mêmes. Je te jure, ma mère, c'est les deux mêmes. J'ai passé mon PPE avec Tommy Smith, là, laisse tomber. Oh, incroyable. Il est un peu plus calme, mais c'est le même genre, tu vois. Ma Parker est quand même beaucoup plus fou, en fait, ça c'est sûr. C'est juste incroyable. Et même votre chef là, Hartman, là, je sais pas quoi. J'ai oublié son nom. Littéralement le gars avec qui je patrouille le plus. Ouais, j'imagine. D'ailleurs, c'est moi qui vous ai croisé la première fois en train de tuer des Mexicains. Une fois, il y avait un mec, il jouait un trans, on était deux en patrouille. On s'est fait dégager, je te laisse imaginer pourquoi. Ah bah oui, d'accord. Non, c'était Cooper ça. Hein? Formation des cadets. En même temps, tout ce qui est RP raciste et borderline, c'est dur à jouer en fait. C'est un truc qui est très difficile à jouer parce qu'il faut jauger la limite de l'extrême, tu vois. Attends, j'ai l'air pour le moment car j'ai pas envie de me tromper de conversation. Ouais, pas de soucis. Chaussures. Je sais pas si tu as vu que j'ai clip enterrement de l'autre.
Ouais, c'est vrai, mais tu finis par te moquer de ces mecs, tellement qu'ils sont ridicules. Ouais, bah ouais. Ouais, même si ton personnage a un RP qui est basé que sur ça, c'est nul. Alors que par exemple, ton personnage, il est pas basé sur ça en fait, tu vois. Donc ça passe beaucoup mieux, tu vois. Parce que certes, des fois, tu vas sortir quelques conneries à propos de ça, mais c'est pas ton but, tu vois. Et on le ressent. Quand on est en face. Alors qu'il y a des gens, leur but c'est juste d'insulter tout le monde. Waouh. Super. Ouais, bah ouais. Après, hier, quand tu m'as incendié hôtel, quand Tommy t'a appelé, oh là, j'ai éclaté de rire, j'en pouvais plus, j'arrivais plus à garder mon sérieux. Putain, j'en pouvais plus. Je devais le clip d'ailleurs, ça, attends. Faudrait que je le clip. Je vais essayer de le trouver, attends, je vais les clip. Ah merde, j'ai encore le truc AFK. Ah mais je vais littéralement aller le clip. Attends. Ah non, c'est pas celui-là. Vidéo. 32 heures. Avec 32 heures de stream, putain, mon dieu. Ah putain. J'ai Chrome qui a planté, attends. Je vais y arriver. Alors. Twitch. Je la repose. Vidéo. Fort, c'est quelque part par là. C'est le moment où est-ce que je vois l'hélicoptère au-dessus.
Ah, c'est là. C'est que la vidéo va durer 33 heures. Oh, attends. Faut que je coupe précisément le bon moment. Alors, faut que je zoome. Faut que je rezoome du coup. Oh putain, la galère. Ah, j'ai mis un titre. Ouais. Tommy et Parker, chérie, fais-moi peur. Franchement, il est bien trouvé. Attends. Que ça charge la miniature et tout. Bon, en gros, le lien est là. Il va falloir attendre un peu que ça charge, tu vois. Le temps que Twitch découpe la vidéo, tu vois. Pour l'instant, c'est en cours, tu vois. Ouais, genre dans 5 ou 10 minutes, tu cliques sur le lien et tu l'auras, tu vois. Et toutes les autres qu'on a eu avant, il y en a eu tellement, je peux pas les clipper, je sais plus où elles sont. Ah, si tu veux le mettre toi-même, fais-le, vas-y. Je m'en fous, tranquille. Franchement, il est génial le moment où tu m'appelles et que tu pètes un câble, c'est juste incroyable. En même temps, j'ai envie de jouer un personnage qui est ultra avenant, amical avec beaucoup de monde, tu vois. Et en gros, dans la finalité, je suis très patient avec beaucoup de monde, en fait. Alors, du coup, ça donne des scènes à la pleurer derrière. Parce que si je jouais mon perso que... Si je jouais le... Ce perso-là, mais de façon illégale, je serais pas comme ça. Pas aussi avenant, tu vois. Ça dépend, hein, ça dépend. Du coup, ouais, si tu veux le mettre sur Discord, fais-le, vas-y.
Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Faut que j'arrive à recapter Inaya dans le RP aussi. Il y avait une scène. Il y avait une scène à faire. Ça, on verra plus tard. C'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Et tu vois, j'ai viré les aurores boréales. J'ai gagné un FPS. Je sais pas pourquoi ça me bouffait autant. Je pense que c'est dû à la machine. Parce que sur ton serveur, j'avais pas de galère. Je sais pas si c'est arrivé, je te laisse. Yes, pas de soucis. Bon courage. Ouais, bah, de toute façon, j'ai bientôt fini de remplir à 36 tonnes là. Je vais avoir 500 000 en or, même plus que ça. Je vais pouvoir m'acheter la Maison Blanche. Je vais me faire construire une maison en lingots. Ah putain. Eh, je vais mettre le clip sur Discord. Paf. C'est bon, il y est. Tommy et Parker, chérie, fais-moi peur. Ah putain. Trop riche le mec. Ouais, bah ouais. Ah, pas assez à mon goût. Pas assez à mon goût. Je joue un personnage qui est ultra. Non, justement, plus je lui ramène d'or au pawn shop, plus il se fait d'argent lui aussi. Mais le mec arrive quand même à se plaindre que je lui ramène trop d'or. Des grosses quantités, tu vois. Après, ce week-end, il n'était pas là, le gars, donc. À mon avis, c'était avec sa famille. Je sais qu'il y a des gamins, le gars, donc. Il va sûrement s'occuper de sa famille. En fait, le pawn shop ne peut pas faire faillite, en fait, parce que tout ce que tu lui vends. S'il a du surplus, il l'exporte en fait. C'est juste que c'est des quantités monstrueuses en fait. Donc c'est chiant à faire. Ça lui fait faire beaucoup de manip. Peut pas faire faillite. Si le gars du pawn shop il embauchait quelqu'un, crois-moi, il serait déjà millionnaire. C'est sûr, Ben. C'est sûr. Mais depuis le temps, il les a. Hein. Surtout avec tout l'or que je ramène. Et puis, il n'y a pas que moi qui ramène de l'or. Crois-moi qu'il les a, les fonds. Au début, il les avait pas parce qu'il faisait le con, tu vois. Il faisait n'importe quoi.
Et toi avec ton PIB du Gabon là? Non, non. Je t'assure que non, gros. Je t'assure que non. Si je lui ramène de l'or, lui, l'or, il peut l'exporter et la revendre. Donc nous, on gagne 1000 dollars par gold, mais lui, derrière, il gagne plus, lui. C'est un peu comme le bénis, tu vois, par exemple. Mais pas avec toutes les ressources. D'ailleurs, je sais pas pourquoi le gars s'était entêté à vouloir prendre toutes les ressources. Bon, si ça rachète pas, ça rachète pas. Tu bloques et puis c'est tout. Ouais, non, mais il peut se faire des thunes à fond, hein. C'est juste qu'au début, il avait fait un peu nawak, tu vois. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais pris que les ressources avec lesquelles je peux gagner de l'argent au début, tu vois. Et lui, il a pas fait ça. Au début, il a pris tout ce qu'il pouvait. Du coup, bah, il s'est dépouillé, 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 et il s'est retrouvé quasiment en négatif, en fait. Je pense que si t'as jamais été au marché aux puces, c'est pas bon de faire un punch-up. Je pense qu'il y a un minimum de notion de commerce avant de toucher un punch-up. Bon, après, de toute façon, maintenant il s'en sort, donc écoute, tant mieux, tu vois. Le problème, c'est qu'il est jamais là, quoi. Enfin, rarement là, tu vois. Je lui dis, les gars, s'il embauche quelqu'un, c'est fini. Il prend quelqu'un de confiance. C'est bon. C'est dans la poche. Il se fait des couilles en noir. Ouais. Yes, bonne journée, gars. Bonne journée.